Bonjour Céline. Bonjour Anne-Laure. Peux-tu te présenter? Alors, bonjour, je m'appelle Céline. Je suis praticienne en bien-être. Je viens de créer mon entreprise dans le bien-être sur Bourges. Donc, je propose plusieurs prestations comme les massages ayurvédiques, le Reiki ou les conseils en aromathérapie et puis des méditations olfactives également. D'accord, donc toi, tu as fait la formation en olfacto. Oui, tout à fait, c'était il y Qu'est-ce a à qui peu t'a près. amené à choisir cette formation? Qu'est-ce qui m'a amené à choisir cette formation? Depuis plusieurs années, en fait, je m'intéresse beaucoup aux huiles essentielles. Ça fait depuis longtemps que je baigne dans les plantes parce qu'en fait, avant d'être praticienne en bien-être, j'étais paysagiste dans un bureau d'études. Donc les plantes, ça fait déjà un petit moment que je les côtoie. Et là, au niveau des huiles essentielles, ça fait plusieurs années que je me soigne avec et je voulais aller plus loin en fait. Je voulais pas rester qu'en surface au niveau des huiles essentielles, je voulais aller plus loin. Donc, comme j'ai déjà fait une formation en aromathérapie scientifique, pour moi, c'était la suite de faire cette formation en fait. Oui, c'est un bon complément en fait, c'est une autre facette et ça se complète bien. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la formation? Ce qui m'a plus plu, c'est découvrir des huiles essentielles que, en fait, que je connaissais, par exemple que j'utilise assez souvent, mais par la voie cutanée. Et forcément, je n'avais pas fait de l'olfaction avec ces huiles essentielles. Donc, c'est une autre découverte. Ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est de prendre du temps aussi pour moi, en fait, d'être déconnectée. Donc, la formation, c'était sur 4 jours, donc c'était vraiment 4 jours rien que pour moi. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est toute l'ambiance du groupe. On était un petit groupe, donc c'était très sympa. C'était comme si c'était une formation individuelle, donc j'ai beaucoup apprécié. Parce que tu étais beaucoup présente et puis à l'écoute de chacune. Donc pour moi, c'était génial. Ok, alors qu'est-ce que la formation t'a permis de mettre en place au niveau professionnel ou personnel, puisque bon là tu débutes ton activité, mais est-ce que tu t'en sers déjà un petit peu pour toi ou est-ce que tu sais déjà comment tu vas faire avec tes futurs clients? Alors, pour moi, les huiles qu'on a respirées, parce que par jour, on en respire quand même beaucoup et c'est très appréciable. En 4 jours, j'en ai respiré beaucoup plus que j'en avais déjà respiré. Donc, ces huiles, en fait, ils m'ont permis de mieux me connaître moi-même et d'être plus à mon écoute. Et ça m'a permis aussi au niveau professionnel de savoir exactement comment faire une relaxation olfactive pour la proposer ensuite à mes clients. Donc, c'est être plus en confiance en moi, en tout cas. Bah super. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bah, je dirais, n'hésitez pas à faire cette formation, je la recommande avec plaisir. J'ai beaucoup apprécié Anne-Laure. C'est une personne bienveillante et très à l'écoute. Très à l'écoute. Eh ben, Merci je te remercie beaucoup, Céline. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation dans ton chemin avec les plantes et avec l'Ayurveda, puisque ça va être un super complément avec l'aromathérapie. à Je te vous. souhaite un beau, Tout beau succès à Bourges. Et Ben, je te dis merci à beaucoup. bientôt. Merci à toi, merci beaucoup, à À bientôt. bientôt.